Eh bien, salut à tous, ici Destroy XP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur Fortnite. C'est une vidéo où je vais un peu vous montrer un peu mon compte et tout. Et un peu vous présenter un peu Fortnite en quelques mots en fait. Hein. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de PS4, qui n'ont jamais joué, bah voilà, je vous montre un peu, mais c'est vite rapide. Bon, voilà, ça c'est un peu ma boutique, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Mais moi, je vais plutôt vous montrer au niveau de tout ce qui est par rapport au jeu, voilà, les armes qu'on a. Donc ça, pour ça, on va faire quelques games. Alors ça, c'est tous les modes de jeu qu'on peut avoir. Donc voilà, on a solo, duo, trio, section, arène, c'est tournoi. Voilà, arène, il y a duo, trio, solo, chute de neige, c'est un mode, arène, air royale, il y a... l'espion intérieur musée à mon avis ça c'est sniper vs venir sur une heure. Il y a fort d'empoigne, mode créatif, la botte combat et fête royale. Donc on va tout de suite faire une petite game solo. Pour vous montrer un peu la carte, les armes qu'on a, voilà, tout ce type de choses. Voilà, ça c'est toutes les défis que je dois faire. Et je les fais pas parce que franchement je trouve que ça prend trop de temps et je préfère m'amuser avec mes copains que faire ces défis là. Bon, mes copains le font, mais moi franchement ça me dit rien de faire ces défis là. Je vais plutôt vous présenter la carte, les armes qu'on a. Et franchement, je pense que ça va vous plaire. Donc voilà. Alors, vous allez peut-être pouvoir voir mon niveau aussi. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Vous pouvez voir mon niveau en construction, en edit et tout. Donc voilà, et en tir. Alors en tir, je suis pas très très fort. En construction, je sais pas comment vous pouvez juger. Mais voilà, vous allez voir un peu mon niveau. Et puis voilà. Alors cette vidéo c'est une vidéo spéciale parce que je la fais tout seul. Mais les autres vidéos que je ferai sur Fortnite, ce sera peut-être pas tout seul, ce sera tout le temps avec mes copains. Ce sera des vidéos, enfin s'ils veulent bien. Je vous dis un message comme ça à la caméra les gars. Si vous voulez faire une vidéo avec moi une fois, je suis partant moi. Voilà. Alors donc voilà, ça c'est la carte. J'ai juste un dernier truc à dire, donc on va aller à une ville. Hein. Par exemple on va aller à Holy Edge. Donc je précise quelque chose. Il y a aussi donc dans ma dernière vidéo j'ai fait des changements sur YouTube. Si vous voulez vous pouvez aller la voir. J'ai demandé à des personnes de commenter. Alors il n'y a que deux personnes qui ont commenté, qui ont mis PS4 2 points. Il y en a un qui a mis 3 jeux, 3 tirés et 3 jeux, et on a une autre personne qui a mis 2 jeux. Alors je remercie ces personnes, franchement j'ai pas honte de le dire qu'il y a eu 2 personnes qui ont mis en commentaire. J'ai vraiment pas honte de le dire, et franchement je voudrais, si ces personnes regardent cette vidéo, franchement gros big up à vous et je vous remercie en vous félicitant. Voilà, merci. Donc il y a que ces deux personnes. Bon, voilà, c'est très très sympa. Mais ils n'ont pas mis de jeu qui se joue sur Android. Il n'y a qu'une personne qui a mis un troisième jeu. Alors les deux jeux auxquels je vais jouer, c'est sûr que je vais jouer à ces deux jeux là. C'est Rainbow et Fortnite. Par contre, si je dois jouer à un troisième jeu, il n'y a qu'une personne qui a mis, et c'est Spider-Man. Après, faut que je vous regarde un... Après, c'est pas parce que... Attendez. Le dernier jeu c'était Spider-Man qui l'avait mis. Donc n'hésitez pas à mettre un jeu qui joue sur 3 jeux qui jouent sur Android. Vous mettrez Android 2 points et 3 jeux qui jouent sur Android. Et voilà.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire Android 2.3G qui joue sur Android. Yes, il est mort. Donc voilà, j'étais concentré, désolé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre PS4 2. Le dernier jeu que vous voulez que je joue. Et Android 2. Le dernier jeu que vous voulez que je joue. Donc voilà. Voilà. Donc j'avais pas beaucoup d'armes, vous avez vu. Bon, désolé à cette personne qui n'avait pas d'armes que j'ai tué. Franchement, je suis vraiment désolé. Par contre, celui dans la maison, vous avez vu. Il avait une arme et franchement, il était un peu chiant parce que pas d'arme. J'avais une arme, mais genre, je sais pas. Je croyais qu'il avait un pompe et tout. Je suis vraiment dommage parce que j'en ai pas moi. Ah, regardez, il y a un truc que j'adore faire. C'est ça. En gros, j'adore tirer sur ces bidons. Oh, je suis sérieux. Vous avez dit que j'avais pas de shoot. Hein. Je l'ai dit. Attendez, on va prendre un peu de bois. Franchement, le bois, c'est super intéressant. Alors, dans ce jeu, en fait, on a ce qu'on appelle des constructions. Ce qui permet de faire. Des édits, voilà, faire des choses comme ça, faire un escalier, monter sur des trucs, et c'est ce qui me permet de nous protéger. Alors on a une zone aussi, j'ai grandi à max. Cette zone nous emporte, donc elle rétrécit, elle nous emporte, donc on se fait avaler un peu comme ça et on perd des dégâts. Ça dépend si elle retire un ou deux, des fois quand elle retire deux, ça fait pas assez mal. Mais voilà, bon, il faut faire attention de regarder régulièrement ce que des fois je ne fais pas. Voilà. Alors, donc aussi dans ce jeu, on a différentes armes. Mais pour chaque arme, donc par exemple, je pourrais trouver un petit pistolet bleu ou un petit pistolet blanc. Pour chaque arme, on a une couleur. Blanc, c'est le niveau base. Ensuite, on a un niveau un peu plus complexe qui est vert. Ensuite, on a bleu qui est encore un peu plus fort. Et franchement, c'est quand vous trouvez quelque chose de bleu, c'est très très fort hein, quand même. Après, on a mauve, bon, c'est épique. Mauve, c'est assez bien, mais c'est rare quand même de trouver. Et après mauve, on a le dernier truc, le dernier choix. Ah, un cadeau. Après mauve, on a légendaire orange. Voilà, ça c'est quelque chose qui est légendaire parce qu'il est orange. Voilà, et je vais le prendre parce que c'est son chance pompe là, je l'aime bien. Vous allez peut-être dire ouais, mais c'est un pompe de campus et tout. Mais franchement, une fois j'ai joué avec mes amis, j'ai fait un bullfight 1v1. Enfin, c'était pas 1v1, on était deux contre 1v1, mais c'était genre on était plusieurs quoi. Franchement, je leur ai mis des balles et ils pensaient que ça allait pas faire beaucoup de dégâts. Et franchement, c'était un peu surpris, je crois. Après voilà, c'est ce que j'ai cru penser. Après je peux peut-être me tromper. Je suis pas un mec assez bon pour penser tout ça. Alors le petit coffre qui fait plaisir. Bon voilà, là on a une pote. On la prend directement. Qui fait. Alors dedans ce jeu on a de la vie. Donc vie normale. C'est le petit. Ah ben je me suis un peu cramé. Je suis débile. Oh je suis en train de me cramer moi-même. Oh là là. Donc dans ce jeu on a de la vie, c'est le petit truc vert là. Donc ce que vous voyez qui est en vert, voilà en bas c'est la vie. Donc j'en ai 75 là. Et ce que vous voyez qui est en bleu, ce n'est pas de la vie mais c'est du shield, donc c'est ce qu'on de la protection un peu comme ça. Ah. Et la zone, donc c'est ce qui arrive là maintenant. Le mauve là, elle prend la vie, elle prend pas de shield. C'est ce qui est un peu dommage parce que quand on a par exemple 100 de shield et par exemple qu'on a 50 de vie, on risque un peu de mourir alors que voilà, on était bien mis quand même. Enfin, on était bien mis, on avait 50 de vie, mais
La Chine nous protège quand quelqu'un me tire dessus, mais pas... C'est un peu un gilet pare-balles, on va se dire comme ça. Je sais pas si je peux évoquer ça comme ça, mais voilà. Ah, oh, il y a eu des construits ici. Oh, il y a des tirs. C'est pas un bon signe, mais après, voilà. On va peut-être aller au fight un moment, on va se dire. Ouais, je me fais emporter par la zone. Je suis quelqu'un qui se fait emporter par la zone. Oh, il y a des mecs devant, il faut que je les tue. Sinon, ils vont me tuer et moi. Je vais arrêter de chanter parce que je sais pas chanter. Vous allez voir, j'ai un peu les défoncer. Je fais trop de bruit. Alors, il faut que je sois super discret. Regardez, on peut les défoncer. Faut pas que je tire surtout pas. Discret. Wish me time. And save on me. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ce pompe-là se fait un bouc. Bien quand même, ça va. Ça reste adéquat. Est-ce qu'on va mettre les potes? Il y avait un mec qui me tirait dessus, je sais pas où il est. J'aille voir et faut pas que je reste là en fait. Regardez, on va bouger. Normal ou j'ai pas vu, faut que je regarde. Bon, allez, on va y aller. On fight, on tente, hein. C'est toujours assez bien de tenter. La tempête, bah, j'ai bien fait de bouger un peu. Il y a un colis, ça me tente d'y aller, mais je suis surprise. Dans la zone, déjà c'est trop tard. Puis si j'allais me faire défoncer, on prend le pompe, c'est toujours bien. Bon, celui-là, c'est un pompe en fait pas à feu, mais un pompe qu'il faut d'abord, il faut le pomper, on va dire un peu comme ça, comme ça. Si je l'utilise, je vais vous montrer, hein. Mais il faut un peu, d'abord il faut tirer pour le pomper pour que après on puisse l'utiliser. C'est assez bizarre, mais ça va, ça fait quand même des dégâts quand il est en fait en surchauffe. En surchauffe, c'est assez bien comme pompe. Voilà, après il faut aimer quoi. Enfin, je préfère ce pompe que les pompes tactiques. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais si j'en trouve un, je vous montre. Je le prendrai pas, mais je vous le montrerai. Je vais prendre le camion s'il n'y a pas de petits trucs jaunes à la roue là, qui permettent de le bloquer. S'il vous plaît. Oh yes, il y aurait moins de la chance. Ah non, c'est pas un pompe tactique. Ah bon, maintenant j'ai trop tard. Je voulais prendre les bandages, mais. Ah, y a une voiture. J'arrive dans une ville, donc c'est assez. Il y avait un avion. Voilà, c'est un pompe tactique. C'est ça. Donc ça, c'est un pompe tactique. What? Je sais pas si c'est l'avion ou une personne normale qui m'a tiré dessus, mais
Faut que je fasse vraiment gaffe parce que si c'est une personne normale, elle peut venir près de moi. Si j'entends encore l'avion, c'est ça va, mais faut que je regarde. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Mais... la recherche de son arme. J'ai cru voir quelqu'un. Je suis pas très tellement sûr. Oh le dernier. Pas que je reste là parce que. J'aille à la prochaine zone. Un peu pas très envie de bouger, mais après c'est bon. Non. Et la voiture je peux pas l'utiliser. Alors on va prendre des balles de pompe, c'est assez bien. Donc, faut que je cours, parce que si je trouve s'il y a une personne au snipe, en colline ou quoi, je peux me prendre vite une balle et ça c'est pas bien. C'est pas bien, je peux vraiment perdre, alors j'ai pas envie de perdre sur ce moment là. Je suis en top 6 là. S'il y a moyen de faire un top 1, hein, franchement, mais... je sais plus où est le mec que j'avais vu, ça peut être défoncé ou pas. C'est ça le problème, c'est que je le vois. Ah non, je crois qu'il y a... juste devant. On réutilise le magasin, vous inquiétez pas, mais on va essayer de pas se prendre de balles de snipe. Non. C'est pour ça qu'il faut savoir construire. Ouais. Moyen de pas se prendre des balles colline, c'est ça. Après il y a moyen d'encore monter hein. Ah dernière escale peu de bois une pierre, ça c'est pas très bon. Faites ça pour essayer de partir un gars qui me tire dessus. Il va falloir que j'avance. Je vais prendre mon pompe. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de prendre.
une lag ball qui m'amuse. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous. Commentez. Voilà, n'hésitez pas à mettre les trois jeux auxquels vous voulez que je joue qui se jouent sur Android. Et le dernier jeu auquel vous voulez que je joue qui se joue sur PlayStation. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour recevoir la notification. Hein. Et puis, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire ciao!